Alors, de la magie pour enfants, de la magie pour adultes, donc c'est plus de la scène, de la magie de scène et du table en table. Ah oui, et donc là, on t'a invité, tu es notre premier invité, et on va, alors, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, donc on va commencer par un tour de mentalisme. Ah, mentalisme! Donc je vais prouver que grâce à la transmission de pensée, en fait j'ai développé grâce à mon handicap, à mon problème de vue, oui. J'ai cette capacité de pouvoir lire dans la mémoire les gens. Bonjour Aurélie. Alors pour commencer, je vais déposer ici une enveloppe blanche, fermée, que je vais déposer ici. On en aura besoin tout à l'heure. D'habitude, les magiciens ont toujours des jeux de cartes dans leur poche. Moi, je vais utiliser un jeu de cartes assez grand pour pouvoir, pas pour pouvoir tricher, mais que je puisse voir ce que je fais. Et comme ça, tu pourras voir que je ne triche pas du tout, je ne suis pas du tout un tricheur comme les autres magiciens. Alors, je vais couper le tas de cartes en deux. Est-ce que tu peux me désigner un des tas? Celui-ci? Très bien, on va jouer avec celui-ci. Celui-ci, je vais le déposer. Voilà. Alors, je vais te donner un jeu de ce tas-là. Tu peux prendre tout. Voilà. Ok. Alors, moi, je vais mélanger. Tu peux mélanger ton tas. Voilà. Tu mélanges bien. Voilà, on va bien mélanger. On n'est même pas obligé de les regarder. Hein. Voilà. Et dès que tu as fini, ben, tu peux me prendre ton temps. Ouais. Alors je vais les déposer ici au-dessus. Est-ce que je peux te demander de prendre les 7 premières cartes qu'il y a ici au-dessus du tas et de les mettre en éventail devant toi pour pas que je puisse les voir. Les 7 premières, hein. Ouais. Après je vais les déposer ici. Alors Aurélie, regarde, ici j'ai du scotch. Et alors je vais te demander de bien vérifier qu'on ne voit pas à travers. On voit pas à travers. Alors je vais déposer les lunettes, je vais enlever, voilà, je vais donner au technicien. Et ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que je puisse voir les cartes, qu'on dise que je triche, je vais me bander les yeux avec le scotch. Voilà. Voilà, voilà. On va encore une petite petite. Voilà, là, je vous montre le en direct pour montrer aux spectateurs voilà. En direct. C'est bon les yeux. Et voilà. Donc si je suis ainsi, tu vois rien alors, c'est ça hein? Je ne vois rien. Ok, bon. Je promets. Alors Aurélie, tu vas. Donc tu as les cartes en éventail devant toi, face à toi. Et donc tu vas bien regarder toutes les cartes que tu as en main. Et je vais essayer de. On va faire de la transmission de pensée. Tu vas me transmettre les cartes que tu as devant toi. Et voilà, je vais essayer de les énoncer. Alors déjà. Je vois que c'est assez partagé entre le rouge et le noir. Hein, dans les cartes, généralement, il y avait quatre rouges et noirs. Ici, c'est assez bien réparti. Par contre, je sens qu'il y a une carte un peu très spéciale, qui est d'ailleurs très inutile dans un jeu de cartes, qui est un joker. C'est bien ça, hein, il y a un joker dedans. Oui, oui. Voilà, tu peux le déposer sur le côté. Voilà. Oui. On va continuer, Aurélie, concentre-toi bien sur les cartes. Voilà, alors on continue. Alors je vois une carte, une très petite carte de couleur noire. Ouais, et je vois, c'est un as de trèfle, c'est ça? Oui. Voilà, tu peux le déposer aussi, Aurélie. Donc maintenant, il te reste encore 5 cartes, c'est ça, Aurélie? Oui. Ok, d'accord. Alors Aurélie, on va aller plus dans les cartes un peu plus hautes. Je sens que là, il y a une carte, très belle carte, une carte de cœur et un œuf de cœur. C'est bien ça? Oui. Tu peux la déposer aussi, Aurélie. Voilà, est-ce qu'on continue ou tu veux qu'on s'arrête là? On va arrêter là, je crois. Non, oui, non, non, on va continuer là, oui, c'est bien ce qu'il semblait. Alors on va continuer. Alors je vois un 6, hein. Aurélie, tu me transmets un 6, un 6 de un 6 de pique, c'est ça? Oui. Tu peux la déposer. Hein. Non, je n'ai pas vu les cartes. Hein. Donc je rappelle que donc Aurélie j'ai séparé le jeu en deux. Aurélie a choisi un état et puis on a mélangé. J'ai séparé le temps en deux. Le tas qu'elle a choisi et tous les deux on a mélangé une partie du tas. On a rassemblé le tout et maintenant
maintenant, elle a pris les 3 couverts cartes, les 7 couverts cartes qu'il y avait au-dessus du jeu de cartes. Voilà. Alors, on continue. Je vois un 3, un 3 de pique. Non. Non. Allez. Concentre-toi toi bien sur le 3. On est excité, oui, 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 mais oui, je la sens un peu. Non, parce que c'est pas faute, parce mais que oui, vous m'analysez, vous m'analysez. Je la sens bien. Attention, c'est bien un 3, mais un 3 de cœur. Voilà, je m'excuse. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, on continue, Aurélie. Toi, Aurélie, il faut se concentrer, ça marche. Aurélie, il te reste combien de cartes exactement? Parce que toi, avec le feu, oui, deux cartes. Alors, parmi ces deux cartes, concentre-toi bien, une à chaque fois, attention. Oui. Alors, Aurélie, il y a. Parmi ces deux cartes, il y a une carte assez haute par rapport à l'autre. Je vais te demander de prendre cette carte qui est très haute et de la mettre en dessous de tes fesses. Voilà. Oula, attends, t'es sûr? Voilà. D'accord. Alors, la dernière carte qui te reste en main, c'est une carte noire. C'est ça, hein? Oui. Une carte noire. Et c'est un 9 de pique. Oui, 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 oui. Oui, ok, bah, tu peux la déposer. Maintenant, on va prendre la carte que tu as en dessous de tes fesses. Voilà. Ah. Garde-la bien que je la vois. Voyez pas, j'enlève le scotch. Voilà. Vous vous rappelez que tout à l'heure, j'avais une enveloppe. Voilà, je vais peut-être remettre mes lunettes. Mais je m'excuse pour la carte. Voilà. Alors, Aurélie, tu as encore une carte en main. Et donc, ici, je vais sortir la prédiction que j'ai faite chez moi. Et alors, regardez, c'est une dame de cœur. Waouh, elle va venir. Bravo, Cédric. Bravo. Bonne réponse. Noah. Alors, Noah, regarde. Ici, Noah, j'ai deux petites balles en plus. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me montrer une des petites balles? Celle que tu veux. Celle-là. D'accord. Alors celle-là, on va jouer avec, et celle-là, je vais te la mettre dans ta main. D'accord? Tu me tends ta main? Voilà. Alors, tu fermes bien la main, hein? Je ne dois pas pouvoir venir mettre quelque chose dedans, à l'intérieur, et ni rien doit sortir. D'accord? Tu te laisses bien la main tendue. D'accord? Bien tendue. Bien en l'air, que tout le monde voit bien que ta main reste bien là. Voilà. Alors regarde, je prends la petite balle ici en main, et je vais la placer ici, et je vais aller chercher ma petite baguette magique qui est dans ma poche. Attends, elle est où ma petite baguette? Allez, de ce côté-ci. Alors, regarde. On va prendre la petite baguette magique et on va faire ça, regarde. Et on va tous les deux souffler sur notre poing, sur la main. Attention, 1, 2. Et regarde bien. La balle a disparu et elle apparaît dans ta main.